Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous êtes sur RCI, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors les dernières actualités ardennaises, c'est les disparitions de personnes âgées dans le Sedanais. Troublant, hein, cette disparition de personnes âgées dans le Sedanais. On peut dire qu'en janvier dernier, comme information en Belgique, un septuagénaire a été retrouvé mort. Près de Sedan, deux autres personnes âgées demeurent à Sedan, manquent à l'appel. Voilà, faites attention si vous êtes âgé et vous sortez le soir dans la région de Sedan. Un site internet lancé pour ne pas oublier Anaïs Guillaume. Depuis lors, l'enquête a progressé et la piste criminelle est privilégiée. Les soupçons se portent désormais sur Philippe Gillet, l'ancien amant d'Anaïs, chez qui elle logeait la nuit où elle a disparu. L'agriculteur ardennais est désormais sous les verrous. Le cas de vache folle dans les Ardennes, c'est confirmé hein, par le ministère de l'Agriculture. Dans une note du jeudi 24 mars, il s'agit du premier cas de ESB de ce type détecté en France depuis 2011. Voilà les dernières informations qu'on a sur ce lundi. Pascal, faites attention sur les routes. Il y a beaucoup de monde sur les routes. On rentre là pour travailler demain. Donc on reste bien sûr votre.